La recherche de l'humilité Nous avons compris que pour devenir humble, il n'est pas nécessaire d'y être contraint. Nous pouvons rechercher l'humilité de plein gré ou l'acquérir sous le coup de la souffrance. Au départ, nous recherchons un peu d'humilité, sachant bien qu'autrement nous mourrons de l'alcoolisme. Après un certain temps, même si nous résistons encore quelque peu, nous commençons à pratiquer l'humilité, convaincus qu'elle est bienfaisante. Puis vient le jour où, enfin libérés dans une large mesure de la rébellion, nous mettons l'humilité en pratique parce que nous le désirons profondément. Tiré des Douze Étapes et Douze Traditions, page 84. Tiré d'une lettre, 1966.